Cette vidéo va vous montrer comment ajouter des tuteurs à votre cours. Alors, si on veut participants, dans le doc, disons qu'on veut inviter des tuteurs légaux, alors son parent ou quelqu'un d'autre. Dans ce cas ici, on va inviter ce bonhomme-là à être le tuteur de Donald. Et puis, ce qui arrive, c'est que le tuteur, si on va à son courriel, va recevoir, il va recevoir un courriel de Trifon Trifon Tournesol. Puis, ça va dire que ça l'invite d'être un tuteur. OK. Et on peut accepter. Et accepter encore. Ça veut dire que... Puis là, on peut décider aussi, est-ce que tu veux un résumé de ce qui se passe chaque jour? Tu veux aucun résumé ou chaque semaine? OK. Alors, on pourrait dire chaque jour. Et tout ce que vous allez recevoir, vraiment, c'est des annonces s'il y a un nouveau devoir, s'il y a un devoir qui est en retard. Vous n'allez pas recevoir de notes ni de messages qui ont été écrits entre les élèves. Puis ça, c'est juste vraiment pour au niveau des devoirs pour vous garder informé. Alors, c'est tout. Si on retourne au compte à Trifon, si j'actualise la page ici, vous allez voir que le tuteur a été accepté et il est listé là, OK? Si jamais vous avez plus qu'un tuteur, vous pouvez inviter un autre tuteur. Vous allez voir que ça disait inviter avant et maintenant c'est accepté. Vous pouvez aussi supprimer des représentants légaux. C'est intéressant que Google change tuteur légaux, représentant légaux. Ils ne peuvent pas se décider. En tout cas, c'est toujours amusant avec Google. OK.